Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 45 sur Hogwarts Legacy. On reprend l'aventure les amis. Alors, je me souviens plus exactement où on s'était laissé la dernière fois. Alors apparemment, on doit retrouver Sébastien près du Belvédère, impeccable. On va juste aller faire un petit tour sur les quêtes. Bah, c'est la dernière quête qui nous reste. Ok. Dernière quête qui nous reste. Est-ce que on aurait des quêtes secondaires qu'on pourrait éventuellement aller faire quelque part? Apparemment, de première vue, il n'y en aurait pas. Ok, tac, tac, tac. Très bien. Est-ce que dans Prowler, il y en a d'autres qui se seraient rajoutés? Non plus. Ok. Et ben, on est tout bon pour aller faire donc la quête qui nous reste. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. Ok, alors. D'accord, donc c'est juste qui nous attendait. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Hominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs, et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque ? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation ? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent, mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Ok, donc on va essayer de se la jouer... Infiltration. Pom pom pom. On va se mettre ça. Allez, on récolte ça. Rebellion. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je suis. Les sorciers n'auront pas d'autre choix que de se soumettre. Personne ne doit entrer dans cette... Rebellion. Tu es tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. Pas seul. On n'est pas forcément obligé de se réfaire sur la scie. J'ai autant. Je t'ai pris pour un troll l'autre jour. Petit Totalus. Je mérite mieux que la corvée de guet. Ah ok, d'accord, ça veut pas. Je sais qu'il y a quelqu'un. Petrificus Totalus. Rebellion.
Récoltons tout ce qu'on peut. Ok, comme ça, ça, ce camp-là, il est fait en même temps. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe. C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirais. Rêve d'un bon ragoût de porc aux champignons. Alors là, par contre, il y en a un peu plus. La fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'étais jeune, faut dire. Ça n'arriverait pas aujourd'hui. Faudrait déjà que j'arrive à rentrer dedans. Hop. Un humain de moins à supporter. Bon. Eh, tant pis. J'ai essayé au maximum de d'être discret. Hop. Revelio. Et donc ensuite, c'est par où? C'est par là, très bien. Mine du Belvédère. Revelio. On ne doit pas nous repérer. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi maintenant. Confringo. Oui. Ok, ça n'a pas envie de... Ça n'a pas envie de nous laisser passer. Chercher les symboles runiques, ok, mais avant ça... Là-bas, il y a un truc là. Ouais. Allez, je tente. Ok, bon. J'ai tenté. Alors, soit. Soit c'est un petit bug. Non, bah ok. Non, bah, des petits bugs encore. Hein. C'est pas la première fois, on a l'habitude. Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils se trouvent dégoûtants. Même pour les araignées. Yeah.
persuadé que ce qu'ils veulent se trouve ici. Revelio. Confringo. Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée ? Alors... Revelio. Non, c'est comment déjà ? Les deux. Action. Wingardium Leviosa. Leviosa. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Ok, d'accord, donc on s'enfonce toujours un peu plus. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Revelio. Ok, donc il y a un pont. Ce pont a connu des ennemis. Confrito ! J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Ok, alors je sais pas totalement ce que je fais ni où je vais. Réparo quelque part. Lumos, Lumos. Ah non, je me suis trompé. C'est ça. Réparo. Très bien. Oh. Mais c'est quoi ça? J'ai voulu faire le... J'avais voulu faire la mission. Alors attends. Revelio. Il y a un truc là-bas là. J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Ok, très bien. Je pense que là, on est sur le bon...
sur le bon chemin. Le professeur Eckhart serait fier de nous. Extrême danger. Ah merde! Bon, enlève-toi de là! Revelio. Lumos! Ah, j'avais pas vu que c'était des. Lumos. Confringo. Lumos. D'accord. Lumos. 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 Allez hop, ça, ça... J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Wow. Ok. Ça va sentir le combat de boss, hein. Toujours aucun symbole runique en vue. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Pourquoi ne suis-je pas surpris? T'avais pas vu. Confringo.
reviens enfin. Bon. Il y a bien pire que toi, chez les Serpentards. Et pour quelqu'un qui a un cerf d'aigle, il y a encore beaucoup à... Un symbole runique, au-dessus de l'entrée de la grotte. Le fidèle de Ranrok n'aurait jamais pensé à chercher ça. Attends voir... Confringo. Revelio. J'imagine qu'on va tomber sur d'autres symboles runiques. Ah tiens. Lumos, Lumos. Confringo. Bon. J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Ok. Ça ressemble à... un repère, un laboratoire. Extrait du journal d'Isidora. Rebellion. 3 sur 7. Alors avant de le prendre, on va aller... Sébastien, voilà. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Okay. Le monde m'est revenu troublé comme si je me trouvais en plein brouillard. J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Je ne me souviens que de ses yeux vides, vides de sa tristesse. Oui, mais aussi, je me rappelle avoir ressenti une certaine euphorie en regardant la douleur s'évanouir. Mais ensuite, le monde a commencé à tourner. En tombant, j'ai dû me cogner la tête. Je ne vois ni ne sens aucune marque, mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire. Au moins, il ne souffre plus. Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Ouais. Revelio. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a, là? Bon, bah, ils sont blurrés, hein. Écoutez. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. Mmh. Bon, évidemment. Bon, si le jeu nous indique où il faut aller. Alors d'un côté, tant mieux, mais bon. Ils auraient pu nous laisser un petit peu chercher. Moment de vérité. Ça doit convenir. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrok a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grantalo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite... On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrok. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc? Et il nous avait demandé de rien dire, Lockdock. Quelqu'un qui connaît Ranrok personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Et la mine qu'on vient d'explorer? Tu l'as oublié aussi?
Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Ton oncle avait peut-être raison à ton sujet. Tu ne sais pas quand t'arrêter. Oh, je sais très bien quand m'arrêter. Je n'en reviens pas. Ah. Alors, on a pris une direction, je sais pas où elle va nous mener. Bon, en tout cas, là, Sébastien, il nous fait la gueule. Ok. Bon, écoute, on verra. Hein. J'espère que le professeur... Je crois que ma prochaine amélioration de balai sera encore plus impressionnante que la dernière. Je vous attends à Beauballet dès que possible. Eh bien, je pense qu'on va aller faire... on va aller voir l'amélioration là de balai. Il va certainement nous demander de refaire une course de balai, à mon avis. Ah bah c'est la période de Noël, tiens. Ça y est, ils ont mis les décorations. Oh, c'est sympa. Vous revoilà. Quel plaisir de vous voir. Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de balai. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Alors ça consiste en quoi? Okay. Ouais, 4000 quand même, frère. Hein, Ce balai sera votre bonheur, je vous le garantis. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé? Vous me connaissez bien. J'y suis presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les Serpents Cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, Monsieur Wicks. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. Ok. Alors, carte du monde. Attends, elle est tout là-bas? Ok. Ok, bon, on va déjà s'avancer avec le voyage rapide, mais... Plaisir de vous revoir. Attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Vous avez raison. Le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je vous le promets. Les hommes de Ranrock ne mourront pas. Je vous dois une fière chandelle. Je vous en prie, prenez ça en guise de remerciement. Bah, merci. Allez. Ah, c'est quand même encore assez loin, hein, de... Oula, qu'est-ce qu'il me fait là, par contre? Pourquoi il baisse? Ouais, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que ça me dit, là, il y a une barrière magique.
Alors, où est-ce que je suis censé passer là? Je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ça, on l'avait déjà fait. Bon, écoutez les amis, vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais voir un petit peu c'est quoi... Pourquoi là on peut pas traverser cette barrière là? Parce qu'on est bien d'accord que j'aurais beau passer n'importe où, ça veut pas. Alors si jamais vous savez le pourquoi du comment, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On sait jamais. Si d'ici là, voilà, j'arrive pas à savoir par où passer ou. Ou est-ce que pour le moment on ne peut pas y aller parce qu'il faut avancer dans l'histoire principale, je sais pas. Bah si vous le savez, n'hésitez pas donc, comme je le disais, à le dire dans les commentaires. Pensez également au petit pouce bleu, au petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très très bientôt. Salut !